de ma lame et de ses douleurs, je préserverai l'innocent. La foule me cachera. Jamais je ne mettrai en danger la confrérie. Tels sont les tenants du credo, les principes qui gouvernaient ma vie. J'étais alors un jeune homme, à la veille de la guerre qu'on dit de 7 ans. Je n'aurais jamais imaginé ce que me réservait l'avenir, ni le prix qu'il me faudrait lui payer. Mon nom est Shay Patrick Cormac, et voici mon histoire. Eh bien, nous ne manquerons pas de bois pour le feu. Admets-le, j'ai failli t'avoir. Mais tu ne m'as pas eu, Shay. Et puis non. T'as eu de la chance, c'est tout. Je crée ma propre chance, Liam. Ah, c'est ce que tu prétends toujours, mais il serait temps de le prouver. Il t'en faut de la chance avec les ennuis que tu t'attires. Bah disons, ce sont les ennuis qui me collent à la peau. Il est temps de rentrer. Bien vite. Monsieur de la Vérandrie et son équipage ont dû s'attirer des ennuis. Tout ça. Rendez-vous avec des contrebandiers. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu refuses de me dire ce qu'on fait ici. Parce que le chevalier en a décidé ainsi. Je croyais qu'on était amis, Liam. Nous sommes amis, mais cela n'a rien à voir. Eh bien, je vais trop vite pour toi. Non, je veille sur toi, au cas où tu te blesserais en tombant. La fortune me sourit.
Fais vite. Mieux vaut ne pas faire attendre, monsieur. Oh, malédiction. Où sont ces crétins? Où étiez-vous, vous deux? En pleine partie de chasse. Que s'est-il passé ici? Les misérables anglais ont attaqué mes hommes. Eh bien, capitaine Joseph, vous n'avez donc pu les repousser à vous seul, comme vous le dites toujours? Capitaine Louis-Joseph Gautier, chevalier de la Vérendrye. Et je doute fort qu'il existe un entraînement capable de faire de toi un assassin. Sais-tu ce que cela implique? Cela implique d'être le garant d'une noble et ancienne tradition, d'obéir à son mentor sans poser de questions. C'est le prix à payer pour la liberté des hommes. Voilà de belles paroles, chevalier. Mais je ne me sens pas très libre en ce moment. J'espère que tu sentiras ceci. Viens, viens! Je vais t'apprendre les bonnes manières, petit. Misérable petit garnement. Messieurs, voyons. Nous avons un ennemi commun et il est sur nos talons. La Royal Navy m'a attaqué et a mis mes hommes en déroute. Nous sommes bloqués ici, et pire encore, les contrebandiers que nous devions voir ont été capturés. Shay et moi allons les aider. Vous soignez vos hommes. Prends-les. T'en auras besoin. Sois prudent, Shay. Rappelle-toi tes entraînements. Et prends garde à l'ennemi. T'es prêt à leur donner une leçon? Ils n'ont pas l'ombre d'une chance. Où sont tes amis, hein, sale vermine? Parle avant que je te brise le crâne! Ouvrez l'œil, les gars! Ces complices sont toujours dans les parages! Ils ne sont pas en place. Merci. Merci à mon ami. Vous allez me pendre.
vous en ai laissé quelques-uns. Trop aimable. Tu n'es pas totalement bon à rien, Shay. À propos de bon à rien, ces pauvres gars n'auront désormais plus besoin de ce navire. Ce vieux Ravio. Si tu en veux, Shay, il est à toi. Maintenant, ramène-moi à mon navire. Tu l'as entendu? Ce navire est à toi. Vas-y, prends la barre. Les hommes que vous avez sauvés nous rejoignent. Ils font un bon équipage. Je ne sais que penser de leur capitaine. Mais après moi, tu es le marin le plus expérimenté de la confrérie, Jay. Et un bateau de plus nous serait fort utile, même en piteux état. Il est à moi, c'est vrai? Un navire à moi. Ton vieux Rafio flottant, ouais. Avec une touche de peinture et de nouveaux canons, j'en ferai l'un des meilleurs navires du monde. Peut-on commencer, capitaine? Tout de suite, Moussaillon. Abruti. Il est en piteux état, mais il tient la mer. Et il a été baptisé le Morrigan. Ah, Morgan! Cette tête de fée qui avait enfoncé les Merlins dans son cœur. Oh, il tira comme un gant, Shay. Oh mon Dieu! Mon navire! Ces fils de chienne, ils vont le couler! Voyons ce que le a dans le ventre. Tous à vos postes de combat! Oh! Arrête-le, petit! Faites quelque chose! Donnez de la voix, les gars! Le chevalier est fier de nous! Quel est notre cap, capitaine Shay? Il est peut-être temps d'aller faire notre rapport au Mentor. Sage parole, capitaine, sage parole. Mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est une sorte de virus dormant. Merde! Bouge pas, je vais te sortir de là. Désolée, c'était assez brutal. L'oreillette marche? Un, deux. Tu étais dans un animus. Animus, tu te souviens? Tu avais accédé à une mémoire génétique de Helix appartenant à Shay Cormac. Tu bosses pour Abstergo Entertainment. Alors, ça te rappelle quelque chose? Ta session a déclenché un truc néfaste qui a affecté tout le bâtiment. Faut qu'on trouve ton boss. Tu te souviens de ton boss, quand même? Mélanie Lemay, Madame Positive Attitude. Tiens, ton communicateur, si jamais tu te perds. Allez, assez traîné. Suis-moi.
Dépêche-toi! C'est toi qui as provoqué ce chaos, au cas où tu te poserais des questions. Allez, dépêchez-vous! Rappelez-vous les exercices d'évacuation. Tout va bien se passer, les gars, je vous assure. N'ayez pas peur. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un virus dans un fichier intitulé Shay Cormac. C'est ton boulot d'éviter ce genre de choses. Faut contenir ces mémoires génétiques avant de pouvoir les détruire. Non, il faut les isoler. Je vais étudier ces mémoires. Mais... Mademoiselle Lemay, désolé, ce n'est pas une demande. Vous l'avez entendu? Ok. Mademoiselle Lemay, vous permettez que je vous emprunte votre cobaye? Salut toi. Ça va te paraître un peu étrange, mais tu vas travailler pour des prestataires que nous avons, disons, embauchés pour améliorer la sécurité. Monsieur Otsuberg et Mademoiselle Violette d'Acosta. Appelle-moi Violette. Je dois faire le point et préparer une déclaration pour la presse. Tu fais tout ce qu'il te demande, compris? On est soudés. Sur le papier, t'es responsable de rien du tout. Mais c'est toi qui as activé le virus. Du coup, tu vas m'aider à faire un peu le ménage. Monsieur Berg veut qu'on vive les mémoires génétiques de Shay. Mais pour ça, on doit y accéder sous Helix. Sauf qu'il est HS. Va falloir aller au sous-sol pour rebooter. Waouh, le type qui a conçu ce virus est un génie. Non seulement il nous empêche d'accéder au cloud, mais il s'adapte pour foutre en l'air les autres systèmes d'exploitation qui gèrent le centre. Mélanie, l'ascenseur est HS. On est coincé à cet étage? Bon sang, oui. J'envoie la maintenance s'en occuper. Et un serveur fonctionnel à cet étage. On va devoir faire avec. Agent d'Acosta, tenez-moi régulièrement informé de vos progrès sur les mémoires génétiques de Shay. Pourquoi? Ce sujet n'a rien de particulier que je sache. Si Shay Cormac est l'homme que je cherche, ce léger contretemps sera peut-être une merveilleuse aubaine pour nous. Rejoignez la salle des serveurs à cet étage. Dépêche-toi, cobaye. Tu vois un voyant Wi-Fi qui clignote? Cool. Alors c'est que t'as encore accès au système. Branche-moi sur leur signal vidéo. Je pourrais reconnecter ton Animus à Helix dès que t'auras réparé le serveur. En théorie, tu résoudras le problème si t'alignes les rayons avec les segments du noyau. Mais là où ça se complique, c'est qu'il faut déplacer les cercles de façon à ce que chaque segment soit alimenté par un rayon. Surtout, n'en oublie aucun. Il doit y avoir qu'un seul rayon par segment, ok? Et quand tout sera bien aligné, le système rebootera. Compris? Allez, à toi de jouer. Bravo. Ce noyau-là était pas trop complexe. Ça sera sans doute pas aussi facile de rebooter le hardware de pointe dans le reste de l'immeuble. Les assassins prétendent qu'Al-Mualim était un grand mentor qui s'est laissé corrompre par sa cupidité, au point de comploter avec les Templiers pour acquérir une pomme d'Éden. Moi, je vois en lui un stratège avisé. Il s'est servi de son meilleur assassin, Altaïr ibn Lahad, pour éliminer ses conspirateurs afin de garder le contrôle de la pomme et s'en servir pour faire régner la paix. Al-Mualim n'était pas un Templier, mais je trouve intéressant que sa conception de la paix ait été plus en phase avec la philosophie des Templiers qu'avec celle des assassins. Autrefois, les deux factions avaient un but identique, la paix. Seuls différaient les moyens pour y parvenir. Si Altaïr avait laissé Al-Mualim mettre son plan à exécution, nous ne serions peut-être pas à couteau tiré. C'est seulement quand Altaïr a réformé la confrérie avec ses nouveaux idéaux de libre arbitre que le conflit a vraiment pris une ampleur mondiale. Car si le prétendu sage de la montagne peut voir les choses de notre point de vue,
Il doit forcément en être de même pour d'autres assassins. D'accord. En fait, je sais pas si t'étais censé voir ça. Peu importe. Contente-toi de retourner à ta station Animus. Maintenant que les serveurs sont rétablis, tu devrais pouvoir réactiver les autres postes de travail. Enfin, si t'es d'humeur à te rendre utile. Et tu devrais aussi pouvoir trouver d'autres séquences intéressantes. Je veux dire, si t'as envie d'en savoir plus. Tiens, un de tes collègues a perdu son communicateur près de l'ascenseur. Si tu vois des appareils qui traînent, récupère-les. Ça nous aidera peut-être à trouver le coupable. Maintenant que vous avez débloqué les mémoires de Shay Cormac, une grande découverte s'offre à nous. Vous avez sans doute des questions sur votre nouvelle mission, ou sur moi. Mais toutes les réponses que vous cherchez se trouvent dans l'histoire de Shay. Les mémoires de Shay vous feront ouvrir les yeux. Suite à la Grande Purge de 2000, William Miles devient le chef effectif des assassins. Ce stratège rusé et impitoyable forme plusieurs agents pour noyauter Abstergo, dont Clay Kazmarek et Lucy Stillman. Fin 2012, je capture William Miles au Caire et je le livre ensuite à Warren Vidic à Rome. Desmond, le fils de Miles, attaque Abstergo, tue Vidic et le maître templier Daniel Cross, avant de fuir avec son père dans un temple de la première civilisation à New York. C'est dans ce même temple qu'il meurt le 21 décembre. Accablé de chagrin, William Miles prend ses distances en laissant la confrérie aux mains de Gavin Banks, qui lui sillonne le monde à la tête d'une petite équipe pour reformer les cellules d'assassins. Il est repéré notamment à Kyoto, Moscou et Paris. Miles refait surface fin 2013. Son rôle dans l'infiltration d'Abstergo Entertainment Montréal par les assassins Sean Hastings et Rebecca Crane a depuis été confirmé. Miles et Banks restent introuvables. L'agent d'Acosta cherche des traces d'activité des assassins à l'aide du réseau akashique de satellites. Mais nous ne les avons toujours pas localisés. Ok,
Le cobaye est en pleine session d'Animus, et je me suis procuré du café. L'ordre règne ici-bas. Bien. C'est pas le genre de mission qui vous botte, hein, chef? Chaque mission a son importance, je m'en tiens là. Ouais, n'empêche, je parie que vous préféreriez être avec votre équipe, à traquer Sean Hastings. Pas vous? Si, bien sûr. Je tiens à être aux premières loges quand ils l'attraperont. Des nouvelles de Sorkin? Il doit me faire une update dans 43 minutes. Bien. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Ça fait quoi d'utiliser un Animus? J'ai suivi le programme d'entraînement Animus. Ça m'a rappelé les exercices des Jutti Jäger. Vous avez jamais utilisé un Animus comme celui-ci pour revivre votre histoire génétique? Une seule fois. Ah oui? Vous étiez qui? Un jeune homme. Lors du pillage viking de Lindisfarne. En 793, sur la côte nord-est de l'Angleterre. Oh, pardon, je suis férue d'histoire. Ça donnait quoi? C'était une belle journée d'été. La mer était calme. Nous avons déferlé comme un raz-de-marée sur la ville et son monastère. Oui? Et? Nous avons pillé et brûlé. Ils nous prenaient pour des démons. Les détails des mémoires étaient criants de réalisme. J'ai laissé la frénésie me gagner. J'ai vaincu un grand guerrier saxon, mais je n'ai pas voulu le tuer. Je l'ai invité à rejoindre notre clan. Oh, un rituel d'adoption nordique. L'occasion de sillonner le monde avec les Vikings. Oui. L'occasion de voir le monde tel qu'il est vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a éclaté en sanglots. Et s'est écrié que Dieu avait abandonné son peuple. Que seul demeurait le chaos. J'ai eu tellement pitié de lui que je l'ai tué sans la moindre hésitation. Quand on aura fini, est-ce qu'on va devoir tuer notre cobaye? Nous verrons. Salut, chef. Vous m'appelez d'Allemagne? Oui. Je suis à Essen, sur la trace d'une relique, Langdisis. Vous avez des infos là-dessus? Une petite minute que je démarre mes machines. Ok. Pas grand-chose. Ah, un seul fichier obscur dans le datadome scanner.
Au 14e siècle en Allemagne, un assassin nommé Lucas Thurberg aurait combattu un groupuscule templier nommé les Frères de la Croix. Ouais, c'est ça. Très original, dites-moi. C'est le fichier qui m'a conduit dans cet endroit paumé. Autre chose ? Peut-être en cherchant hors des archives officielles ? Personne ne l'a jamais vu. Par contre, on la mentionne à tout bout de champ. En Gaule à l'époque romaine, en Égypte médiévale, et même dans une cellule d'assassins modernes. Ah bah ça alors, elle est censée ramener les morts à la vie. Et il y a des preuves pour corroborer tout ça ? Pas la moindre. Vous voulez que je vous dise ? À mon avis, c'est des conneries diffusées par les assassins pour faire perdre leur temps à des gens comme nous. Ouais, ça sent le coup fourré. Je suis d'accord. Cherchez d'autres informations sur l'Ankh. Si elles ne nous conduisent pas à la relique, elles nous mèneront peut-être indirectement aux assassins. Compris, chef. Vous allez où maintenant ? À Cuba. Je vais exhumer l'observatoire. Accès réservé au personnel autorisé. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Haytham Kenway reste à mes yeux un personnage controversé. J'ai beaucoup de respect pour lui. Après tout, c'était le grand maître du rite colonial, chargé de trouver un site précurseur. Haytham était rusé et implacable. Mais ses nombreuses faiblesses émotionnelles finirent par causer sa perte. Ayant perdu son père alors qu'il était encore enfant, il fut recueilli par Reginald Birch, grand maître britannique qui en fit un templier. Haytham apprit finalement que son père, Edward, avait été assassin. Le fait qu'il ait choisi de rester templier plutôt que de suivre les traces de son père prouve, à mon sens, qu'il s'estimait déjà sur la bonne voie. Quand Haytham découvrit que le meurtrier de son père était Birch, sa sœur et lui le tuèrent pour se venger. C'est là que commence sa chute. Les templiers tuent par nécessité, non par ressentiment puéril. Quand il découvrit que son fils Connor avait rejoint les assassins des colonies, là encore, son émotivité l'empêcha de rendre justice. Hélas, Connor ne lui témoigna pas la même pitié. Quelle joie de te revoir. Achille. Adewale. Quelle est la situation aux Caraïbes ?
Elle est mauvaise, j'en ai peur. Je devine à ta réserve qu'il faut parler. Bien. Qui est ce visiteur? C'est Tadé Wale, un esclave qui s'est affranchi avant de libérer ses frères par centaines. Il est l'incarnation vivante de notre credo. Je vois. Viens, il est temps de s'entraîner. Plus tard. Auparavant, j'ai affaire. Raconte-moi ce qui est arrivé. C'était horrible, Achille. La terre a tremblé et d'immenses vagues ont balayé Port-au-Prince. Combien ont perdu la vie? Des milliers. Aucune famille n'en est sortie indemne. Je suis navré d'être aussi pragmatique qu'en des temps pareils. Mais l'envoyé de Mackendall est-il parvenu à ses fins avant le séisme? Je ne saurais dire. Vendredi est introuvable. Ce marron était une force de la nature, l'un des meilleurs disciples de Mackendall. Quel dommage. Donc on ne peut pas savoir s'il a trouvé le site. Non. Mais s'il y avait un temple sous la mer, je doute qu'il soit encore debout. Et les reliques qui ouvraient la voie? Volées. Les Templiers ont profité du chaos pour s'emparer du manuscrit de la boîte des précurseurs. Je les ai suivis en mer, mais j'ai perdu leurs traces lorsqu'ils ont accosté à New York. Nous devrons mettre au point un plan. Où elle semblait inquiète tout à l'heure. J'ai cru comprendre que Madame Hope te cherchait. Tu es en retard, Shay. Hop, qu'est-ce que j'ai raté? Seulement la première heure d'entraînement. On n'arrête pas de s'entraîner, Kessé Gowazé. Et c'est ce que nous continuerons à faire. Ne perds pas ton temps, Shay aime autant s'entraîner qu'un chat aime être tenu en laisse. Hé hey. C'est dommage, il a pourtant un grand potentiel. Mais si peu de discipline. D'accord, j'ai compris. Que dois-je faire au juste? Bien joué. Alors, quel est le défi du jour? Tenir son arme et viser juste. Tiens, prends-les. Ce sont les tiens. Je veux que tu aies un semblant d'espoir de réussite. Vas-y. Atteins ces cibles. Tu peux prendre ton temps, mais pas trop. Nous avons encore à faire. Recharge. N'importe qui peut toucher ces cibles sans bouger. Voyons ce que tu vaux en courant. Allez, dépêche-toi. Y est presque. Bravo, Shay. Continue sur cette voie. T'es doué, Shay. Ne prête pas attention à ce que disent les autres. Ils t'apprécient, mais ils te le diront jamais. Il était temps que tu arrives. Je m'en voudrais de faire attendre une dame. Ici, je n'ai rien d'une dame, ne l'oublie pas.
Je suis là pour t'instruire. Je suis meilleure que toi. J'espère que tu as raison, au moins en partie. Qu'allons-nous faire? Explorer toutes les manières d'ôter une vie. Vous deux! Rendez-vous utile, surveillez Shay. Sais-tu tuer sans te faire repérer? Bravo! Tu me surprends. De toute évidence, tu sais te défendre. Reste tranquille dans les broussailles. Sois patient et ta cible ne survivra pas. Reste caché derrière un mur, et attaque pour prendre ta cible dépourvue. Tu m'appréciales, Shay. Tu es allé au-delà de mes attentes. Tu es devenu un meilleur assassin, n'est-ce pas? Essaie de garder les pieds sur terre. Shay, suis-moi. Il est temps que tu apprennes à survivre sur la frontière. Je crois que je m'en suis plutôt bien sorti jusqu'ici. Peut-être. Mais j'ai des choses à t'apprendre. C'est l'heure de la chasse. Tu dois mobiliser tous tes sens pour trouver ta proie. Tuer une proie ne doit jamais être dénuée de sens. Nous devons utiliser ce que nous donne la nature. Eh bien, maintenant, utilise ce que tu as appris à la nature. Grâce à ça, tu pourras garder tes pistolets avec toi. Achille a encore quelque chose à te montrer. Thank you.
Hey, on me dit que tu deviens un vrai tireur d'élite. Joli présent. Mentor, merci. Mon navire m'attend, Achille. Le peuple d'Haïti fera bon usage de tes provisions. Et tu retrouveras ce qui a été perdu. Perdu ? Les Templiers ont volé deux précieuses reliques. Un manuscrit renfermant un savoir ancien et une boîte permettant d'en comprendre le langage. J'ai suivi les Templiers jusqu'à ce rivage. Mais tu vas devoir faire le reste, mon ami. Adieu, Adewale. Ceux qui détiennent ces reliques pourront accéder au site des précurseurs. Nous devons les retrouver pour le bien de tous.